Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. C'est Jean-Cyril Kunga, je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. Alors, nous allons continuer la deuxième partie de notre formation concernant les dimensionnements d'une semelle excentrée. Alors, précédemment, dans la première partie, nous avons bien sûr dit déjà comment prédimensionner notre semelle à la main. Et nous avons déjà prélevé presque toutes les informations. Nous avons toutes les données qui pourront nous aider de manière à ce que nous puissions donc dimensionner notre semelle excentrée. Alors, aussi longtemps que nous avons déjà eu presque toutes les informations, nous allons passer directement, sans plus tarder, nous allons passer directement au dimensionnement pour vous montrer comment peut-on dimensionner une semelle excentrée. Voilà. Alors, sur ce, je rentre directement dans le projet. Voilà, je suis là dans le projet. Nous savons très bien que notre semelle excentrée se trouve à ce niveau. Numéro du nez, c'est au numéro 49. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord cacher le numéro du nez. Je vais cacher aussi les appuis. Alors, je sais que le numéro, c'est le numéro 49. Et puis, je viens ici. Là, on écrit nez. Je vais tout simplement écrire les numéros du nez, donc les numéros de la semelle excentrée, et puis je fais Enter. Quand je fais Enter, vous allez remarquer que c'est déjà sélectionné, c'est en jaune. Vous voyez? Donc c'est déjà sélectionné en jaune. Alors comme c'est sélectionné, je peux directement passer au dimensionnement. Alors comment je fais? Je viens directement ici, je prends donc dimensionnement, je clique là-dessus, je prends dimensionnement. Et puis à partir d'ici maintenant, je viens directement ici, je prends ferraillage, élément réel, donc ferraillage réel, élément béton armé, je vais cliquer, je clique, je vais patienter un petit peu, voilà ce que robot m'a donné. Donc il y a un tableau de synthèse de paramétrage. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais décocher d'abord LS, puisque je vais dimensionner ma semelle en ELI. Je prends ELI et puis je vais faire OK. Voilà, je vais patienter. Et puis, vous allez remarquer qu'ici, il n'y aura rien. Alors, pour visualiser, pour avoir la possibilité de voir directement votre semelle, je viens ici, je vais cliquer chez plus, je clique là-dessus, je vais patienter. Voilà. La semelle que je suis en train de dimensionner, le numéro de la semelle tel qu'on avait donc vérifié, c'était le numéro 49. Le numéro 49 que vous voyez ici, voilà, c'est ça, le numéro 49. Alors, je suis là, il faut toujours vérifier le numéro 49. Je vais double-cliquer là-dessus. Une fois double-cliqué, voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que j'obtiens. Alors, maintenant, sur ce, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant à ce niveau? C'est-à-dire que je vais directement soit faire le paramétrage. Je peux soit dimensionner, considérer premièrement ma semelle comme une semelle centrée. C'est-à-dire, j'avance avec le paramétrage, tout ce que vous voyez à ce niveau. Je lance les calculs pour voir d'abord les comportements de ma semelle centrée. Et après, maintenant, je vais excentrer directement cette semelle, puis je vais recalculer. Donc ça, c'est la première possibilité. Je peux laisser ça comme ça par défaut. Je fais d'abord le paramétrage. Et je fais tout le paramétrage déjà. Et puis, je vais lancer les calculs pour vérifier d'abord le prédimensionnement de ma semelle centrée. Et après, je vais maintenant décaler cette semelle de manière à ce que ça soit excentré. Ou alors, je peux directement déjà excentrer cette semelle, donc ça dépend. Donc vous avez des possibilités, soit vous excentrez directement la semelle avant de calculer, ou encore calculer d'abord la semelle étant comme une semelle centrée, et vous allez excentrer ça après. Alors, par rapport à notre formation, nous allons d'abord calculer la semelle telle que ça se représente. Nous allons calculer ça comme une semelle centrée, pour voir d'abord les prédimensionnements que le robot va nous donner avec celle que nous avons calculée à la main, et c'est à la fin que nous allons excentrer maintenant cette semelle. Donc voilà, c'est comme ça que nous allons procéder. Voilà. Voilà. Alors, je viens ici, à ce niveau. À ce niveau, je prends paramètres de l'étage.
paramètres de l'état, je laisse tout par défaut. Je laisse tout par défaut comme ça. Et puis je viens ici, je prends option de calcul. Option de calcul ici. Voilà. L'essence des enrobages. Je laisse comme ça, 5 cm. Ici, oui, c'est bon. De l'autre côté, ici, je prends 2,5. Ça dépend. Moi, je prends 2,5. Voilà. Et puis, je viens ici. Coefficient de sécurité, je laisse à 1. Hein. Je prends 1. Je prends béton ici. Je prends béton 20. Poids volumique, ici. Je prends 2500. 2500 diamètre du granulat, je laisse 20. Acier longitudinal, haute adhérence 400. Je prends barre de 12 et barre de 14. Et puis acier transversal ici, haute adhérence toujours 400. Je prends barre de 6. Acier additionnel, haute adhérence toujours 400. Je prends barre de 12 et barre de 14. Et puis je fais OK. Alors je viens maintenant à ce niveau ici. Je prends disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage ici. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens ici. Je laisse tout par défaut comme ça, je laisse les espacements par défaut, je clique sur avancer, automatique c'est bon, je ferme, je viens ici, je prends phi. Alors au niveau des phi, le problème c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Lorsque vous dimensionnez les projets à ces niveaux, et beaucoup plus quand moi j'ai fait des projets, que je suis en train de dimensionner la semelle, alors lorsque vous faites les choix ici, par exemple vous choisissez ces modèles, ou bien l'autre, ou bien ça. Et quand vous allez lancer les calculs, l'inconvénient est que le robot va vous faire une représentation qui ne sera pas vraiment propre, qui ne sera pas visible. C'est-à-dire, il y aura beaucoup d'armatures qui sera bien présentée là. Des fois, ça fait en sorte que la personne ne puisse pas faire une bonne lecture de ce qu'il a dimensionné, de ce qu'il a fait comme calcul. Alors moi, souvent, j'aime pas vraiment faire les choix à ce niveau, de manière à ce que je peux aller ajouter ça même sur AutoCAD, c'est-à-dire après avoir dimensionné les projets et que j'ai le plan d'exécution, je peux importer directement ce plan d'exécution sur AutoCAD et à partir d'AutoCAD, je peux ajouter tout ce que je veux comme informations supplémentaires. Alors, si vous souhaitez faire comme moi, par exemple, vous refusez de faire les choix des filles, c'est juste question de cliquer ici. Lorsque vous cliquez ici, les trois sont figés. Cela revient à dire que vous avez fait donc aucun choix. Voilà. Et je viens maintenant ici, barre d'attente ici, liaison avec photo. Je vais vous prendre 8, tout comme je laisse automatique, ça dépend de la manière dont vous êtes en train de travailler. Nombre de barres d'attente, je laisse 4. Et puis forme ici. Au niveau des formes ici, sont des crochets. Ce sont des crochets. Alors nous le savons très bien que lorsqu'on fait le projet, pour les cas, par exemple, le cas de la semelle, et aux extrémités de la semelle, on a besoin d'avoir les crochets. Alors, si vous laissez comme ça par défaut, lorsque vous allez lancer le calcul, vous allez voir que le robot ne va pas, ne va pas considérer les angles des crochets que vous voyez ici. Donc, c'est-à-dire que l'inconvénient est que lorsque vous allez lancer le calcul dans le plan d'exécution, lorsque vous allez vérifier le rendu, vous n'aurez pas les crochets aux extrémités de vos nattes. Alors, pour avoir ça, qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? Il faut venir ici. Vous venez ici, vous allez d'abord décocher. Là, on écrit crochet seulement si nécessaire. Vous décochez ça. Vous allez cocher ici la longueur. Et puis, moi, à ce niveau, pour le cas de natte pour la semelle, je peux prendre même décocher les 10 cm. Voilà, les 10 cm. Voilà ce que je fais. Et puis, je fais OK. Voilà, je fais OK. Et après, je viens ici, ça c'est définir dimension. Définir dimension ici, je n'ai rien touché. Je n'ai pas fixé, donc je vais laisser comme ça par défaut, par rapport au chargement, par rapport à la distance des charges, donc par rapport à l'effort normal que moi j'ai utilisé ici. C'est-à-dire que quand je vais lancer les calculs, je vais voir d'abord les prédimensionnements que le robot va me donner. Donc en fait, c'est ça ici, je n'ai rien modifié. Excentricité, je sais très bien que je suis en train de dimensionner une semelle excentrée. Normalement, je dois paramétrer cela ici, mais comme je vous avais dit là, tout au début, je considère d'abord ma semelle comme une semelle centrée, et après, je vais excentrer ça après. Donc, je laisse ça comme ça par défaut, et j'en passe. Maintenant, je suis là. Je viens maintenant ici au niveau de définir charge.
définir charge, je clique là-dessus, définir charge. Alors à ce niveau, maintenant qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je clique, une fois cliqué, voilà ce que j'obtiens. Une fois cliqué, voilà ce que j'obtiens. Et puis, je peux faire tout simplement Enter. Je fais soit Enter, ou alors je peux directement quitter. C'était justement pour insérer donc la charge au niveau de, disons, comment insérer ma descente de charge. Alors, voilà. Et après, maintenant, je viens ici. Je viens ici, définir sol. Je prends définir sol. Alors, définir sol à ce niveau ici, c'est juste question de définir en fait les stratifications, disons comment, la stratification de sol. Alors, tellement que par rapport à notre cas, la contrainte du sol est connue, nous allons directement insérer notre contrainte du sol. Mais bon, on peut toutefois ajouter aussi la nature du sol en place. Voilà ce que je fais. Voilà. À notre niveau, nous le savons très bien que nous sommes dans un terrain sablonné. Comme j'avais dit là, le terrain sablonné, donc il s'agit donc d'un terrain non cohérent, à compacité moyenne, dont la contrainte du sol varie de 0,2 mégapascal à 0,4 mégapascal, mais nous avons considéré 0,3 mégapascal comme contrainte moyenne. Alors, je viens maintenant ici, ça c'est argile et limo, je n'ai pas ce type de sol, je vais cliquer ici, et puis je descends un tout petit peu, je descends un tout petit peu. Voilà, je prends sable et grave lâche, je prends sable et grave lâche. Alors si vous prenez sable et grave compact, c'est aussi bon, mais on suppose que vous avez un terrain sablonné, mais dans il y a aussi présent des graves compacts. Alors moi je considère que je suis dans un sol sablonné et où il y a présent des graves lâches. C'est ce que je prends. Voilà. Une fois cliqué, vous allez voir que le poids volumique va directement apparaître ici. Alors, maintenant, je viens ici. Au niveau du niveau supérieur de la semaine, niveau 00, c'est là où je suis. Alors, niveau du fond de fouille. Niveau des fonds de fouille. Alors, ce sont des informations que vous allez justement introduire. Niveau des fonds de fouille. Si niveau des fonds de fouille par rapport à votre projet est de 1m50 ou de 1m par exemple, ou bien 1m50, c'est juste question d'introduire ici 1m50. Mais il faut introduire les signes moins, puisque là, ça va compter à partir du niveau 00 et vous descendez en bas. Vous descendez en bas, puisque niveau du fond de fouille, c'est-à-dire que c'est au fond vraiment au niveau 00 par rapport au fond de fouille. Donc en fait, c'est ça. Et si par exemple, vous êtes en train de faire un projet, vous êtes en train de faire un projet où il y a aussi présent des lots, vous allez paramétrer. Voilà. Donc, si vous êtes en train de faire un projet, vous êtes en train de faire un projet dans un terrain où il y a présent des lots, c'est juste question de cliquer ici. Vous allez cliquer, premièrement comme ça, vous cliquez, une fois vous cliquez, et puis vous allez donc insérer les informations concernant l'eau. C'est-à-dire que les niveaux les plus hauts, les plus hautes des eaux, c'est ce que vous allez insérer ici, les niveaux bas, et vous allez également insérer ici. Mais par rapport à notre projet, en tout cas, c'est un projet, on suppose que nous travaillons dans les sols en place, ne présente pas ces agréments, il n'y a pas un problème des lots, donc je vais décocher ça. Une fois décoché, et puis je vais appliquer. Quand j'applique, voilà ce que j'obtiens, et puis je ferme. Et puis je ferme. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore introduit ma contrainte. Je n'ai pas introduit la contrainte du sol. Alors maintenant, je viens ici. Comment peut-on introduire la contrainte du sol? J'allais vous montrer quelque chose ici. Je rentre d'abord ici, dans définir sol. Les versions anciennes, robot 2010, 11, ainsi de suite. À partir d'ici, on avait la possibilité d'introduire directement la contrainte du sol. La contrainte du sol des trois façons, soit des laboratoires, soit sous forme de courbes piézométriques. Ou encore, vous insérez directement votre contrainte, ou vous les calculez à partir des laboratoires. Donc, il y avait trois possibilités de les faire à ce niveau. Mais les versions récentes, comme 2017, 2015, je crois, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, on a amputé en fait cette option ici. Alors, pour introduire dans votre contrainte, je ferme ici, je viens ici, géotechnique, option géotechnique. Une fois cliqué, voilà. Une fois cliqué, voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que j'obtiens. Alors, maintenant, ces niveaux, qu'est-ce que je fais?
Les coefficients de sécurité, je laisse ça par défaut 1,1,1. Souvent, d'autres personnes travaillent avec un coefficient de sécurité de 1,25, 1,25. Mais moi, j'aime beaucoup plus utiliser les coefficients que Robo m'a donné de 1 tout simplement. Donc, au glissement, j'ai un coefficient de sécurité de 1. Au renversement, j'ai un coefficient de sécurité également de 1. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la contrainte. Alors, je suis là, je viens au niveau de la contrainte. Je clique pour introduire ma contrainte. Alors, maintenant, à ce niveau, vous avez premièrement la possibilité d'introduire la contrainte. Mais ce qu'il faut savoir, si vous êtes en train de faire un projet dont vous ne maîtrisez pas la contrainte du sol, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait de GC au laboratoire pour avoir vraiment l'exactitude ou la précision sur la contrainte du sol, il y a possibilité de calculer la contrainte du sol ici à partir des robots. Donc, robot vous donne la possibilité de calculer la contrainte du sol. Vous allez donc calculer la contrainte du sol sans problème, puisque nous le savons très bien que pour faire les essais de laboratoire, c'est tellement coûteux, c'est vraiment trop cher. Alors, lorsque nous gagnons peut-être des fois des petits marchés, peut-être des petits projets, et lorsque vous demandez au propriétaire de vous donner peut-être, je ne sais pas, 10 000 dollars ou au-delà de ça, de manière à ce que vous puissiez donc faire les essais au laboratoire, beaucoup parmi eux disent qu'ils n'ont pas d'argent. Alors, étant qu'ingénieur, vous êtes censé de pallier à ces problèmes, vous n'allez pas vous dire que, comme tu n'as pas l'argent, à me donner de manière à ce que je puisse faire l'essai au laboratoire, donc je laisse aussi les projets. Non. C'est-à-dire que vous allez quand même faire l'effort de calculer les projets. Alors, Robo vous donne la possibilité, même si vous ne connaissez pas la contrainte du sol, la contrainte des laboratoires, vous avez cette possibilité-là de calculer cette contrainte à partir des robots. Mais à une telle condition, il faudrait que vous puissiez, premièrement, avoir des informations sur la stratification des sols, donc comprendre, savoir en fait les sols en place. Alors, pour savoir les sols en place, premièrement, vous avez aussi plusieurs possibilités. Soit il y a possibilité de faire un descente sur terrain, vous descendez au terrain. Vous pouvez même faire ce que nous appelons les essais in situ, donc l'essai peut-être des carottages. Vous pouvez même creuser, vous creusez peut-être à une profondeur peut-être d'un mètre, justement pour essayer un peu, voire même plus que ça, pour essayer un peu de voir, d'étudier en fait comment les comportements du sol. Par exemple, à une profondeur de 5 cm, nous avons par exemple une sole, peut-être une sable sélectionnée. À 1 mètre, nous avons une sable compactée, ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez ces informations, alors vous venez maintenant ici, dans Robo. D'abord, au niveau de définir sol, vous allez introduire ça ici. Vous introduisez ça ici. Vous introduisez ça ici, il y a possibilité d'ajouter, vous cliquez juste ici, et puis vous ajoutez selon les comportements du sol, donc ce que vous avez vérifié au terrain. Alors lorsque vous avez fini d'introduire, maintenant vous venez ici, dans contraintes, maintenant vous allez cocher laboratoire. Donc vous prenez méthode de calcul, laboratoire, c'est-à-dire quoi? Donc robot sera considéré comme votre propre laboratoire. Donc lorsque vous allez lancer les calculs, Robot va directement calculer la contrainte du sol en fonction de tout ce que vous avez introduit comme la stratification du sol, information concernant le type de sol en place que vous avez, et puis Robot va vous calculer ça. Et vous allez voir tout ça, vous avez la possibilité de le voir au niveau de notre calcul. Alors, tandis que par rapport à notre cas, nous avons déjà une contrainte du sol, tout a été déjà bien calculé, nous allons tout simplement insérer la contrainte du sol. Alors, comment faire pour insérer cette contrainte du sol? Alors, tu viens ici, je viens ici, cette fois-ci, je ne vais pas prendre laboratoire, je viens ici, je ne prendrai pas également prêt géométrique complète, mais je viens ici, je prends prêt géométrique dit contrainte. Voilà, là je clique. Maintenant, à ce niveau aussi, beaucoup de gens commettent cette erreur. Alors, vous ne pouvez pas insérer directement la contrainte que vous avez ici. Si vous insérez la contrainte que vous avez ici, comme une contrainte admissible, tout simplement, lorsque vous allez lancer les calculs, c'est-à-dire que robot va vous donner une autre contrainte. Le robot va calculer une autre contrainte. Donc, robot suppose que vous avez considéré dans votre la contrainte que vous avez insérée n'est pas une contrainte de calcul en ULI, mais plutôt c'est une contrainte admissible que vous avez insérée. Alors, pour ne pas commettre cette erreur, qu'est-ce qu'il faut faire au moins? Il faut insérer correctement la contrainte que vous avez. Comment le faire? Je viens ici, je clique,
Vous voyez, il y a ls et eli. Je prends eli et puis je vais insérer ma contrainte en eli. Je sais que ma contrainte en eli, la contrainte est de 30 mégapascales. Voilà, ma contrainte est de 30 mégapascales. J'insère ma contrainte de 30 mégapascales et puis je vais directement, je fais OK. Voilà, quand je fais OK, voilà ce que j'obtiens. Voilà. Et après, après ça, c'est tout. Je peux maintenant lancer les calculs. Avant de lancer les calculs, n'oubliez pas, je reviens toujours ici. Je prends paramètres de dessin, je prends description des armatures, cocher nombre plus diamètre, longueur, espacement, description des armatures longitudinales. Et puis je viens ici, je prends échelle, je laisse par défaut 1 sur 20, tableau des armatures, je prends nombre de pièces et type d'acier, et puis je fais OK. Je fais OK. Avant de lancer les calculs, ça dépend de vous. Vous avez même la possibilité soit d'enregistrer le fichier. Hein. Peut-être des fois la machine, des fois ça bug. Et puis lorsque vous enregistrez déjà les projets, ça sera une bonne chose. Vous pouvez soit enregistrer les projets, comme vous voulez. Je peux créer ça formation, par exemple. Je vais nommer ça formation. Voilà. Formation, puis je fais OK. Alors, et après, maintenant, je vais lancer les calculs. Je vais lancer les calculs. Nous allons voir ce que le logiciel va nous donner. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Voilà. C'est-à-dire que après avoir paramétré, faire tout ce que moi je fais, voilà ce que le logiciel m'a donné. Et ainsi que, après calcul, voilà ce que le logiciel m'a donné, y compris les tridimensionnements et autres. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier maintenant le prédimensionnement que le robot m'a donné et celle que moi j'avais calculée. Et si cela est correct, je vais le laisser comme ça. Mais par contre, j'ai la possibilité soit de modifier. Je viens, je clique ici. À partir d'ici, maintenant, je prends dimension. Voilà, je vois que c'est presque la même chose, mais je vais quand même insérer le prédimensionnement que moi j'avais calculé à la main et voir ce que le robot pourra me donner. Alors je suis là, je viens ici, j'introduis d'abord les dimensions que j'avais trouvées ici. Donc les A que moi j'avais trouvé c'était de combien? BX ici, je prends donc BX est égal à 1 mètre, est égal à 1 mètre. Attention. C'est 1 mètre, est égal à 1 mètre. Et le B est égal à 0,80. Et puis je vais fixer les deux. Je fixe. Alors, la hauteur de ma semelle est de 25 cm, absolument. Le robot m'a donné aussi 25 cm après tridimensionnement. Donc c'est bon, je vais considérer ça, je laisse ça comme ça par défaut. Voilà, je laisse par défaut. Alors, maintenant, les HD ici, je peux dire que ma profondeur des bons sols, ma profondeur de fil colonne, et de 1m50 par exemple. Je prends par exemple 1m50, je vais voir ce que le robot va me donner. 1m50, je vais fixer les tout. Et puis à ce niveau ici, voilà, je laisse comme ça. Donc ma section de fil colonne est de 20 x 30. Ok, et puis j'applique. Voilà, je vais d'abord lancer les calculs pour voir ce que le robot va me donner. Voilà, donc c'est pour dire que c'est bon, c'est pour dire que c'est correct. C'est correct, ce que je viens de faire, c'est correct. C'est-à-dire, c'est justement pour dire que le prédimensionnement que le robot m'avait donné n'était pas mauvais. Même les prédimensionnements que moi j'avais fait à la main, c'était vraiment hyper correct.
C'est pour cela que, en vérifiant, vous avez remarqué que le robot m'a donné presque le même tridimensionnement, de même valeur que moi également j'ai trouvé. C'est presque à peu près. Alors, si par contre que vous avez donc il y avait par exemple une erreur lorsque vous avez tridimensionné, vous allez voir que au moment où vous allez insérer vos valeurs, le robot ne va pas calculer la structure. Il y aura des informations que le robot va vous donner donc par rapport à cela. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer concernant les dimensionnements de notre semaine. Mais n'oubliez pas que jusqu'à présent, nous avons dimensionné tout simplement une semaine. Nous avons dimensionné une semaine, mais tandis que nous voulons dimensionner une semaine excentrée. Alors, comme nous sommes déjà presque à 25 minutes, nous allons nous arrêter ici. Et puis, partie 3, c'est là où nous allons maintenant excentrer notre semaine déjà dimensionnée. Merci de votre disponibilité. C'était votre humble formateur, Jean-Cyr Kunga. Je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. Alors, ce que je vais vous demander, prière de liker le vidéo, partagez-les également. Et vous avez même la possibilité de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Jean-Cyr Kunga, pour vous abonner. Comme ça, vous n'allez pas rater les vidéos. Lorsque vous abonnez, vous allez donc activer la cloche de notification qui pourra vous aider de manière à ce qu'à chaque fois que je serai en ligne ou en direct, ou à chaque fois je vais mettre une vidéo en ligne et vous serez notifié par rapport à cela. Merci beaucoup de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.